certaines sensibilités non patriotiques. Alors, lorsqu'on s'attend des choses comme ça, ça doit nous interpeller, ça doit interpeller la population. Et pour que celle-ci comprenne de quel côté il y a la vérité. Tout en mettant en garde certains politiciens véreux en quête de positionnement, le président fédéral du MLC annonce qu'il va porter plainte contre inconnus afin que la justice punisse sévèrement les auteurs de cet acte de barbarie. Nous ne pouvons pas laisser des choses comme ça impunies. Nous allons certainement saisir la justice. Nous allons formuler une plainte contre inconnus parce que l'auteur ou les auteurs de cet acte ne sont pas jusque-là identifiés. Mais je pense que comme nous sommes dans un état de droit, nous avons la police qui doit sécuriser les personnes et leurs biens, qui doit sécuriser les partis politiques comme nous sommes. Nous allons saisir la justice comme nous avons dit là. Nous allons saisir la justice pour que les enquêtes soient menées et que les auteurs soient sanctionné au regard de la loi. C'est au lendemain de la double cérémonie de matinée politique animée par le président fédéral du MLC et l'installation du comité exécutif fédéral que ces actes ont dû au siège du MLC, Fédération du Kassa Oriental. Ça peut blesser, il faut déjà enlever.